الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح إياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah a enjoint aux croyants de se faire un véritable adorateur de Dieu et de faire montre de haute excellence morale. Il doit agir en ce sens, car sans cela, il ne pourra se dire un véritable croyant. Un des signes du croyant est qu'il doit rendre culte à Dieu. Il doit adorer Dieu. Et d'autre part, un autre de ses signes est qu'il doit se détourner de tout ce qui est futile. Il est impossible que l'on se dise croyant pour ensuite commettre des actes qui sont contraires à la bienséance. Généralement, l'on est coupable d'inconvenance quand on nourrit en soi de l'arrogance. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré à propos des serviteurs de Dieu Ar-Rahman que « Yamshuna alal ardi hauna » à savoir qu'ils marchent sur la terre en faisant preuve d'une grande humilité. Et celui qui possède cette qualité qu'est l'humilité ne se contente pas de se prémunir des querelles et des troubles, mais il est aussi enclin à la réconciliation, et il possède aussi d'autres qualités des plus nobles. L'on pourra vivre la condition d'un véritable croyant quand, tout en faisant montre de ses qualités, l'on se fixe pour objectif le plaisir de Dieu, et lorsque l'on va s'évertuer à rendre culte à Dieu comme il se doit. C'est en respectant ces conditions que l'on pourra se dire véritable croyant. En d'autres termes, le véritable croyant est un fervent adorateur de Dieu et il fait aussi montre d'une grande humilité. Il est aussi vrai que chaque individu a des aptitudes qui lui sont propres. La capacité physique de tout un chacun est différente et certaines conditions temporaires peuvent être des obstacles. Ce qui sous-entend que l'homme ne peut maintenir constant sa condition morale. De même, il ne peut maintenir constamment le même niveau dans ses ibadas, dans ses actes d'adoration, dans ses prières, afin d'affiner sa spiritualité, des efforts que l'on attend de la part d'un croyant. C'est pour cette raison qu'Allah a accordé des concessions aux croyants en accord à leur situation. Allah ne confie pas à l'homme des fardeaux qu'il ne peut porter, ou il ne place pas sur les épaules de l'homme des fardeaux qui dépassent ses capacités. Dire que l'on ne peut mettre en pratique certains préceptes de Dieu parce que c'est la chose impossible de l'homme est tout à fait erroné. Cela est tout à fait erroné quand il s'agit de l'islam. Allah a rendu obligatoire la salah. Il a demandé aux croyants d'accomplir la salah parce que c'est obligatoire. Mais il lui a aussi accordé, par la même occasion, de nombreuses concessions. Par exemple, si quelqu'un ne peut prier debout, il a la permission
d'accomplir sa prière en étant assis. Et celui qui ne peut s'asseoir pour prier, en raison de sa maladie, en raison de sa faiblesse, s'il lui est difficile de s'asseoir pour prier, eh bien, il peut prier en s'allongeant. Et il n'est pas dit non plus qu'il doit s'allonger d'une manière particulière lorsqu'il va accomplir sa prière. Il peut prier dans l'état dans lequel il se trouve, qu'il soit malade, qu'il soit faible. S'il est en voyage ou s'il a d'autres contraintes, eh bien, le croyant peut raccourcir ses prières ou il peut combiner ses prières. Ainsi, personne ne peut dire que, quelle que soit sa situation, il ne peut accomplir la prière. Même pour ceux qui portent des vêtements sales en raison de leur emploi, il leur est dit que s'ils ne portent pas des vêtements propres, eh bien, ils peuvent accomplir la prière dans l'état dans lequel ils se trouvent. Mais ils doivent certainement prier. S'il n'y a pas d'eau, on peut accomplir le tayammum à la place des ablutions. Ainsi, aucune personne intelligente n'acceptera le prétexte que c'est impossible pour lui d'accomplir la salat. Tant que l'on est en pleine possession de ses sens, il est obligatoire d'accomplir la salat, la prière. Ainsi dire qu'il est impossible de prier en certaines situations est quelque chose de tout à fait inacceptable. Si on questionne les autres à ce propos, eh bien, ils présentent des prétextes à ce sujet. Ceux qui ont recours à ces excuses sont en train de s'écarter de la foi. Ainsi, chacun d'entre nous doit être très vigilant à ce propos. Après le sermon que j'ai prononcé en Irlande lors de l'ouverture de la mosquée d'Irlande, dans ce sermon, j'ai attiré votre attention sur la prière. Après ce sermon, j'ai reçu une lettre d'un missionnaire des États-Unis et d'ailleurs. Dans ces lettres, on m'a dit qu'après ce sermon, il y a une plus grande présence dans les prières. Cela met en évidence le fait que certains ne venaient pas à la prière en raison de certaines contraintes. Ces personnes ne venaient pas à la prière parce que cela était impossible. Ces personnes ne venaient pas à la prière tout simplement parce que la paresse les en empêchait. Quand on a attiré leur attention à ce propos, cela a eu de l'effet sur eux. Mais il est important maintenant de maintenir cet effet. La distinction d'un croyant est qu'il fait preuve de vigilance quand on lui attire l'attention sur un point particulier. La Khuddamul Ahmadiyya et la Lajna Imala doivent tous deux entreprendre des efforts afin d'impartir aux jeunes l'habitude d'accomplir la salat. Quand on est jeune, on jouit d'une bonne santé et l'on peut respecter au mieux les exigences de la prière. Le Messie premier alayhi salam, en soulignant ce point en particulier, nous dit que c'est pendant la jeunesse que l'on peut s'acquitter au mieux des exigences de la prière. Quand on est vieux, l'on ne peut satisfaire toutes les exigences de l'ibada, de l'adoration de Dieu, en raison des différentes maladies. En tout cas, l'homme doit, s'il est nécessaire, forcer sa nature afin de s'acquitter des obligations que Dieu lui a imposées. Il doit agir en ce sens au lieu d'éviter de les accomplir en dépit de toutes les concessions que Dieu lui a accordées à ce propos. Ayant reçu une bonne santé de la part de Dieu, il nous sied de respecter nos obligations envers lui afin de prouver notre reconnaissance pour la bonne santé qu'il nous a accordée. Et c'est en l'adorant que nous pourrons le faire. Il est nécessaire d'accomplir ses actes d'adoration, d'accomplir la salat, afin de prouver sa reconnaissance pour la bonne santé dont on jouit. Il est important pour nous de consacrer une grande attention à ce propos, de faire des efforts en ce sens, car sinon notre foi ne sera point parfaite.
Je me tourne maintenant vers le deuxième point qui concerne la bienséance. Une des distinctions de ceux qui respectent les règles de la bienséance est qu'ils disent la vérité et qu'ils s'accrochent à la vérité. La qualité d'un croyant est qu'il se cramponne toujours à la vérité et qu'il se tient loin à l'écart du mensonge. Et cela sera possible quand on éprouvera une haine farouche pour le mensonge. Mais nous constatons qu'en général, les gens ont recours au mensonge en différentes occasions. D'aucuns disent que « je n'avais pas l'intention de mentir, le mensonge est sorti de ma bouche par inadvertance ». D'aucuns font des demandes d'asile ici et disent que tel ou tel propos est sorti de ma bouche par méprise. Je n'avais pas l'intention de mentir. Mais s'ils n'avaient pas l'habitude de mentir, pareille contre-vérité ne serait pas sortie de leur bouche par inadvertance. En tout cas, Allah est le pardonnant. Il pardonne à ceux qui sont conscients de leurs erreurs. Mais ces personnes doivent, en pareille situation, éprouver du remords pour l'impair qu'elles ont commis. Mais si un menteur ne ressent pas du remords pour le mensonge qu'il a proféré, et si son mensonge nuit aux intérêts d'autrui et qu'il n'essaye pas de compenser le préjudice qu'il a commis, mais qu'il s'entête à présenter son mensonge comme une vérité, ou s'il insinue qu'il ne peut se passer de cette contre-vérité, eh bien, une telle personne ne peut ni se cramponner à la foi, ni ne peut-elle faire preuve de bienséance. Pareil individu doit comprendre qu'il est en train de s'écarter du droit chemin. En ce qui concerne la bienséance, eh bien, Allah déclare « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا » c'est-à-dire, vous devez parler avec bienveillance aux hommes. Généralement, l'on ne parle pas aux autres de manière brusque, même si d'aucuns ont un caractère qui est rude ou brutal. Même si on est rude ou brutal par nature, on ne parle pas généralement de manière brusque aux autres. Quand Allah déclare qu'il faut parler aux hommes avec bienveillance, il s'adresse en fait à ceux qui sont rudes et il leur demande d'être aimables et il leur demande de ne pas prononcer des paroles qui vont blesser les sentiments des autres. Et il leur demande de ne pas s'emporter pour des broutilles. Mais d'aucuns, en raison de leur caractère, sont vifs et ils s'emportent sur le champ. Si ces individus, après avoir prononcé des paroles dures, ressentent du remords pour ce qu'ils ont dit, et s'ils essayent de compenser les peines qu'ils ont causées à autrui, s'ils font pénitence et s'ils implorent le pardon de Dieu, eh bien qu'ils sachent que Dieu a maintenu grande ouverte la porte du pardon et qu'il peut accepter leur repentir. Mais quant à ceux qui font fi de ce commandement de Dieu, quant à ceux qui ne cessent d'avoir recours à la violence et à la brutalité, quant à ceux qui ne ressentent aucun remords, cela tombe dans la bassesse morale et de surcroît, ils sont des pécheurs aux yeux de Dieu. Ils sont des pécheurs aux yeux de Dieu pour avoir enfreint ses lois. «
leurs actes d'adoration ne leur seront d'aucune utilité. Allah promet son pardon à ceux qui commettent un acte en raison d'une émotion passagère ou en raison de la colère, mais qui, après s'être maîtrisés, ressentent du remords pour ce qu'ils ont fait. Des personnes qui ont honte pour ce qu'ils ont commis et qui essaient de réparer les torts qu'ils ont commis. Mais quant à celui qui ne ressent aucun regret après avoir recouvré ses esprits, eh bien, cette personne ne pourra présenter aucune excuse face à Dieu. Il est ainsi nécessaire d'entreprendre notre analyse de conscience. On me présente de nombreux cas. On me présente des disputes entre époux, des litiges financiers, et d'aucuns sont si fous de rage qu'ils ne voient pas ce qu'ils sont en train de faire, ils n'entendent pas ce qu'ils disent. Ils blessent les sentiments de leurs épouses, ils les frappent même. D'autres sont coupables de comportements indignes. Et ils ne tentent même pas de s'amender. Ils persistent ici même quand la Islahi Committee, le comité de réforme ou la Qada tente de les ramener à la raison. Et quand la Jamaat prend des sanctions à leur encontre, c'est là qu'ils prennent un tant soit peu conscience de leurs actes. Et ils m'écrivent des lettres pour me demander pardon. Et ils tentent aussi de s'amender pour les torts qu'ils ont causés. Certes, ceux qui sont pardonnés après être sanctionnés se prémunissent ainsi d'une mauvaise fin. Mais ils portent quand même la tâche de la sanction. Et s'ils ne s'étaient pas rendus esclaves de leur ego, ils auraient pu, d'un commun accord, résoudre leurs différends. Ces personnes doivent se soucier de leur foi et tenter de sauver leur foi. D'aucuns ne sont pas prêts à arriver à aucun compromis. Ils s'éloignent très loin à l'extrême. Le monde, les avantages de ce monde, les conforts de ce monde sont éphémères. Nous devons nous soucier de notre fin et nous devons trouver les moyens pour attirer les faveurs de Dieu. J'ai rappelé à maintes reprises à la Jamaat la nécessité de rehausser la norme de nos valeurs éthiques et morales et du fait que l'on ne doit pas se faire les esclaves de son ego pour des broutilles. Il incombe à tout membre de la Jamaat d'être une référence en matière de bienséance, en matière de valeurs éthiques et en matière d'humanité. Certes, en certaines occasions, nous exprimons notre colère. C'est là un trait de la nature humaine. Cependant, Allah a recommandé aux croyants de respecter certains commandements. Ainsi, il nous importe de maîtriser le sentiment et de les exprimer en accord au désir de Dieu. J'ai cité l'exemple des relations entre époux. Étudiez les versets que l'on cite lors du sermon du Nikah et vous verrez le nombre de commandements que Dieu a préconisés en référence à la taqwa. Des commandements qu'il incombe aux hommes et aux femmes de respecter. Mais la majorité des gens ne respectent pas ces préceptes. Ils se disent que leur Nikah a été prononcé et que leur mariage a eu lieu et c'est tout. Ainsi, d'aucuns s'obstinent à maintenir leur opinion. Au contraire, ils en sont fiers. Loin de se soucier de ces commandements, quand il y a des conflits, eh bien, ils s'obstinent et ils sont fiers de ne pas avoir renoncé à leur opinion. Et ils sont fiers d'avoir pu humilier un tel. Et ils croient que leurs opinions sont fondées et ne se soucient pas de l'opinion des autres.
Ils disent que nous avons bien agi. Ils disent que nous avons bien agi parce qu'ils pensent que la partie adverse méritait le traitement qu'ils leur ont infligé. Et ils croient qu'il n'y avait pas d'autre solution à ce litige. Si on accepte l'opinion de ces personnes, cela voudrait dire que la religion qu'ils ont acceptée est tout à fait fausse. Cela voudrait dire que cette religion est fausse car il y a contradiction entre ce qu'ils disent et ce que préconise la religion. Ils peuvent certes dire qu'il leur est difficile d'appliquer les préceptes de la religion, mais dire que l'on soit contraint à enfreindre ces préceptes de Dieu et dire que l'on ne pouvait agir autrement, cela signifierait que l'on serait en train de démentir cette religion. Allah déclare quant à lui que vous devez refrainer votre colère. Vous devez traiter les autres aimablement. Vous ne devez pas vous obstiner dans l'erreur. Vous devez faire de votre mieux pour respecter vos devoirs envers autrui. Le Messie premier, alayhi salam, est allé jusqu'à dire que celui qui ne s'acquitte pas de ses obligations envers les hommes, celui qui n'est pas un exemple de la bienséance préconisée par Dieu, celui qui n'adopte pas les qualités qu'un croyant doit adopter, eh bien ceux qui agissent ainsi ne sont pas en train de s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu. Leurs salats, leurs prières, leurs ibadas ne sont qu'ostentation, car leurs ibadas, leurs actes d'adoration, n'ont pas apporté en leur personne les changements qui sont les signes distinctifs des croyants. Ils ne font pas preuve de cette humilité qui va les rapprocher de Dieu. Si l'on se filme quand on est en colère, et aujourd'hui c'est très facile de se filmer, si l'on se filme quand on est en colère, eh bien toute personne douée de bon sens serait embarrassée quand elle verra l'état dans lequel elle était après avoir recouvré ses esprits. Je vous présente à présent les conseils que nous a prodigués le Messie premier l'Islam à ce propos. Je vous présente ce qu'il a dit sur l'état de celui qui se met dans une colère noire. Cette personne perd tout son bon sens et toute sagesse. Dans certains cas, son état ressemble de près à de la démence. Le Messie premier l'Islam déclare que lorsque la colère et la furie prennent de l'ampleur, l'on perd tout discernement. C'est pour cette raison qu'il nous encourage à faire preuve de patience. Car cette vertu qu'est la patience va affiner davantage le jugement et la capacité à réfléchir. Le Messie premier l'Islam déclare « Sachez qu'il existe entre le discernement et la colère une inimitié des plus farouches. » Quand on se met en colère, l'on n'est plus à même à agir avec discernement. Mais quant à celui qui fait preuve de patience et d'indulgence, eh bien, il reçoit une lumière qui affine son esprit et son intelligence. Et cette lumière ne cesse de croître. Quand on se met dans une colère noire et que l'on s'emporte, un voile ténébreux recouvre l'esprit et le cœur. C'est pour cette raison que les ténèbres engendrent d'autres ténèbres. Le Messie premier l'Islam dit aussi que les cœurs de ceux qui s'emportent pour des broutilles sont dénués de sagesse. Il déclare à ce propos, « Sachez que celui qui est impitoyable et celui qui se déchaîne contre autrui ne peut prononcer des paroles imbues de savoir et de sagesse. Le cœur de celui qui s'emporte facilement face à l'autre et qui se déchaîne est privé de paroles de sagesse. » Celui dont l'esprit est malsain, celui dont la langue est privé de la source des sagesses subtiles. Il ne peut prononcer des paroles vertueuses. La colère et la sagesse ne peuvent aller de pair. Celui qui s'emporte et qui se met dans une colère noire est inepte et obtus.
Jamais il ne remportera aucune victoire, ni ne jouira-t-il d'aucun soutien dans aucun domaine. La colère est la moitié de la folie. Quand elle prend de l'ampleur, elle se transforme en démence totale. Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare qu'il y a deux dispositions qui poussent l'homme vers la démence. Il y a tout d'abord le fait de penser du mal des autres, et l'autre disposition, c'est la colère. Ces deux dispositions le poussent à la démence lorsque cela atteint un stade extrême. Quand à tout instant, il ressent de la colère lorsqu'il entretient à tout instant des mauvaises pensées à l'égard d'autrui, eh bien, cela le pousse à la folie. Ainsi, l'homme doit faire de son mieux afin de se prémunir de ces deux dispositions. Le Messie premier alayhi salam définit aussi les qualités d'un croyant. Il déclare qu'il ne doit à aucun instant se départir de son bon sens et de son discernement. Sinon, il se rapprochera de l'état qui ressemble à la démence. Le Messie premier alayhi salam déclare « L'homme doit utiliser à bon escient ses aptitudes. Il doit les utiliser quand cela lui est permis de le faire. Il y a par exemple la colère qui, lorsqu'elle dépasse le seuil permis, pousse l'homme vers le seuil de la démence. Il y a très peu de différence entre la folie et la colère. Celui qui fulmine de colère est privé de la source de la sagesse. Même si l'on converse avec un adversaire, l'on ne doit pas s'emporter. » Ensuite, en indiquant les qualités d'un croyant, le Messie premier l'Islam déclare que celui-ci doit maîtriser sa colère. C'est en réfrénant sa colère qu'il sera considéré comme un véritable croyant. Le Coran dit « Wal-Kazemin al-Raiza wal-Afin al-Raninas » C'est-à-dire, les croyants sont ceux qui réfrènent leur colère et qui pardonnent aux autres. Le Messie premier alayhi salam déclare « Certes, les évangiles préconisent le pardon et l'indulgence. Mais cela a été limité aux enfants d'Israël. Hadrat Issa ne faisait pas profiter de sa compassion aux autres peuples. Il a dit ouvertement qu'il n'a à cœur que le sort des enfants d'Israël. Il n'est point concerné si les autres seront voués à la destruction ou s'ils mériteront le salut. » Ainsi, le pardon et l'indulgence de Jésus-Christ étaient limités aux enfants d'Israël. Mais le pardon et l'indulgence du Messie du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, embrassent l'humanité tout entière. Ainsi, il nous importe à nous aussi d'élargir le cercle de notre pardon et de notre indulgence. Voilà la norme que nous devons atteindre si nous voulons profiter de la lumière de Dieu. Si nous voulons profiter de la lumière de Dieu, nous devons cultiver ces valeurs que sont la patience, la résolution et l'indulgence. Si nous désirons que des paroles de sagesse et de connaissance sortent de nos bouches, si nous désirons que les autres se tournent vers nous, si nous voulons faire avancer la mission du Messie premier alayhi salam, eh bien, nous allons devoir éviter toute forme de dureté et de colère dans notre cercle familial ainsi que dans nos affaires quotidiennes. Si nous désirons point détruire nos aptitudes mentales, eh bien, nous allons devoir nous prémunir de tout doute à l'égard d'autrui et nous allons devoir nous prémunir de toute forme de colère. Si nous désirons être de véritables croyants, eh bien, nous allons devoir user à bon escient nos aptitudes. Et même si nous nous mettons en colère, nous ne devons point pousser cette colère vers le stade de la folie. Nous devons limiter notre colère à la réforme. La colère et les passions débridées poussent l'homme vers la folie. Il est ainsi nécessaire de suivre la voie du juste milieu à cet effet. Si l'on doit se mettre en colère, eh bien, il faut limiter cette colère à la réforme de l'autre. On ne doit pas se mettre en colère afin d'assouvir son ego.
on ne doit pas se mettre en colère pour prouver sa supériorité. Le Messie premier l'Islam dit que celui qui manifeste une colère qui dépasse ce seuil est en train de nuire à sa foi. Il a déclaré que la beauté de l'Islam gît dans le fait qu'il indique ses hautes valeurs éthiques et morales et qu'il nous encourage à réfréner une colère excessive et nous enseigne aussi l'indulgence. Ainsi, il incombe à chacun d'entre nous de faire sienne cette vertu. Voir cela est primordial, quand sinon il sera impossible de se faire véritable croyant. À maintes reprises, dans ses écrits et dans ses dires, le Messie promis alayhi salam nous conseille de maîtriser nos émotions. Mais malheureusement, il existe en nous nombre de lacunes. Nous n'appliquons pas ces préceptes comme nous devons le faire. Cela concerne les Ahmadis en général et cela concerne aussi les responsables. Il en est ceux qui prodiguent des conseils aux autres à cet effet. Ils leur demandent de se maîtriser, mais ils oublient le conseil du Messie premier al-Islam qui recommande aux véridiques de se faire aussi humble que les menteurs ou de s'humilier à l'instar d'un menteur, quoi qu'on se sait véridique. Mais nous voyons dans la réalité que des menteurs et des injustes tentent de se faire passer pour des véridiques et tentent de se faire passer pour des victimes d'injustice. Comment ramener à la raison pareil individu qui n'ont pas une once de foi? Car la foi requiert qu'une fois que l'on ait recouvert ses esprits, que l'on ne doit point s'obstiner et que l'on doit aussi réparer l'injustice que l'on a commise. Si l'on a blessé les sentiments d'un tel, eh bien, l'on doit tenter de réparer les torts que l'on a causés. Ou tout au moins, l'on doit ressentir du remords et des regrets pour ses actes. Nous devons nous demander et analyser combien sont-ils parmi nous, ceux qui nourrissent pareilles pensées ou ceux qui ont des idées pareilles. Si l'on a commis un tort en raison de certaines émotions passagères, eh bien, après que l'on s'est calmé, il incombe au croyant de compenser le préjudice qu'il a commis. S'il ne le fait point, s'il ne ressent pas du remords, et s'il ne s'amende pas après s'être calmé, eh bien, selon le Messie premier l'Islam, cette personne n'est point sincère dans sa foi. Sa foi n'est qu'ostentation. Sa foi ressemble à cette bulle au fond de l'eau dans laquelle il n'y a que de l'air. Si sa foi était remplie d'eau, il n'y aurait pas d'air à l'intérieur. Comme je viens de le dire, il nous incombe à chacun d'entre nous de faire son introspection. Combien de fois avons-nous fait preuve de patience quand nous avons été victimes d'injustice? Combien de fois n'avons-nous pas répliqué en laissant exploser notre colère? Ou si vous êtes un responsable, combien de fois avez-vous rendu un verdict équitable en dépit de l'injustice que vous avez subie entre les mains d'un autre? Combien de fois vous n'êtes pas soucié de cette injustice pour rendre ensuite un verdict juste et équitable? La tolérance ne signifie pas être tolérant face à celui qui est plus puissant que soi et dire que l'on a été tolérant. La tolérance signifie avoir le pouvoir de punir, mais ne pas y avoir recours. Qu'il soit aussi clair que si les responsables recommandent que l'on prenne des sanctions à l'encontre d'une personne, à la lumière des exigences de la justice, à la lumière de ce que recommande la charia, et si l'on prend des sanctions, eh bien cela ne tombe pas dans la catégorie qui a été mentionnée ci-dessus, à savoir que l'on doit faire preuve d'indulgence. Car si quelqu'un a commis un tort et que l'on pardonne cette personne, eh bien ce pardon sera un péché. Si quelqu'un a outrepassé les limites, si cette personne a été coupable d'une injustice, et que le juge doit prendre des sanctions contre cette personne, eh bien cette punition ressemblera à celle qu'infligent des parents à leur enfant ou un instituteur à un élève.
Si une personne tombe sous le coup d'une sanction, c'est parce qu'elle a enfreint un ordre de la charia ou parce qu'elle a lésé autrui. Il est important d'apporter ces éclaircissements à ce sujet parce que d'aucuns sont coupables de tort, d'aucuns enfreignent les règles de la charia, ils lèsent les droits d'autrui, et quand la Jamaat prend des sanctions à leur encontre, eh bien, ils citent mes propos. J'en ai déjà fait mention dans le passé, et ces personnes m'écrivent à ce sujet. Peut-être qu'ils vont le faire de nouveau. Ils me citent en disant que vous avez prononcé un sermon sur le pardon, l'indulgence. On a pris des sanctions contre nous, pardonnez-nous. À ce propos, comme je l'ai dit dans le passé, je n'ai pour personne aucune inimitié personnelle. D'aucuns m'écrivent des lettres remplies d'insultes. Et je n'ai jamais ressenti aucune colère à leur encontre. Généralement, ce sont des lettres anonymes où ces personnes signent sous des faux noms. Même si ces personnes signent leurs lettres de leur vrai nom, eh bien, je les assure qu'aucune sanction ne sera prise à leur encontre. Ils peuvent envoyer des lettres emplies d'insultes. Certes, j'ai encore plus de pitié pour pareille personne. J'ai encore plus l'occasion de faire l'istighfar. Et cela est pour moi avantageux. L'on prend des mesures, l'on prend des sanctions à l'encontre de ceux qui lèsent les droits des autres ou ceux qui enfreignent les lois de la charia. Et c'est avec grande peine que je prononce ces sanctions. Je ne les fais pas de gaieté de cœur. Le jour où je reçois dans mon courrier une lettre de la Nazarate Umuriyama ou de l'Amir Saheb en faveur du pardon de quelqu'un, en faveur du pardon de quelqu'un qui s'est amendé pour une faute commise, le jour où je reçois pareille lettre dans mes courriers, eh bien, ce jour-là est le jour le plus joyeux pour moi. Ainsi, étant donné que je suis lié par mes obligations, vous ne devez pas me contraindre. Certes, je dois aussi conseiller ceux qui placent leur litige devant l'Aqada. Si cette instance ou si les responsables prennent une décision et qu'une des deux parties doit s'acquitter de ses obligations, si par exemple c'est un litige d'ordre financier et s'il est dit qu'une des deux parties doit payer ce qu'elle doit ou s'il est dit qu'elle doit s'acquitter de ses obligations, en ce cas, la partie adverse, celle qui a eu gain de cause, celle qui va recevoir la somme qui lui est due, eh bien, la partie adverse doit prendre en considération la situation de l'autre partie. Si cette dernière est en difficulté financière, on doit lui accorder toutes les facilités qu'on peut lui accorder. On ne doit pas être intransigeant. Voilà ce que recommandent Dieu et son prophète. À savoir que l'on ne doit pas commettre une injustice par orgueil. En tout cas, nous devons à tout instant prouver notre reconnaissance à Dieu et nous devons à tout instant être conscients du fait que nous sommes les disciples de celui à qui Dieu a conféré le titre de Messie. L'on doit se demander pourquoi Dieu a-t-il conféré au Messie premier alayhi salam ce titre. Qu'est-ce qui distingue le Messie et des autres prophètes? Il n'est point de doute que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réunit en sa personne toutes les excellences, tous les attributs et qu'il dépasse dans ce domaine tous les autres prophètes. Il a atteint le sommet dans ce domaine parce qu'il était l'homme parfait, parce que sa charia était la charia parfaite. Mais les autres prophètes, hormis le saint prophète, possèdent chacun une qualité qui les distingue des autres. Et la chose qui distingue le premier Messie doit aussi se trouver en le Messie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, d'où la similitude entre ces deux Messies. Le deuxième calife a présenté à cet effet une explication des plus charmantes.
Il a déclaré que la distinction de ces deux messies est qu'ils préconisent tous deux l'indulgence. Et dans les évangiles, Jésus déclare « Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre aussi. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. » Certes, tous les prophètes ont préconisé l'indulgence, mais Jésus-Christ, quant à lui, face à la situation de son époque, il a mis beaucoup d'emphase sur l'indulgence. Voilà l'enseignement apporté par Jésus-Christ. Et Dieu a conféré le titre de Messie au Messie premier l'Islam, où il a déclaré qu'il y a une similitude entre lui et le premier Messie. Cela voudrait dire que le Messie premier l'Islam a reçu l'ordre de préconiser l'indulgence. Voilà une des raisons pour laquelle il porte le titre de Messie. Il a été aussi envoyé pour guider les chrétiens. Et c'est pour cette raison aussi qu'il porte le titre de Messie. Il a aussi été envoyé pour les autres disciples des autres religions. Il a été envoyé pour les hindous. Il porte le titre de Krishan. Et il a aussi été envoyé pour les musulmans et pour tous les peuples. Il a été envoyé parce qu'il a suivi les pas du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, on insiste sur le titre Messie parce que le Messie premier l'Islam nous a préconisé l'indulgence et nous a préconisé de mettre de côté la dureté de notre cœur. Le Messie premier l'Islam déclare « Dieu espère voir une transformation radicale en vous. Il exige de vous que vous vous infligiez une sorte de mort, après quoi il va vous insuffler une nouvelle vie. Hâtez-vous de promouvoir la paix entre vous et pardonnez à vos frères leurs faiblesses. » Car celui qui n'est point enclin à faire la paix avec son frère est méchant. Il risque d'être exclu parce qu'il est source de dissension. Renoncez à vos vils désirs. Renoncez à vos vils désirs et ne cultivez pas la rancœur. Même si vous avez raison, comportez-vous humblement comme si vous aviez tort. Agissez ainsi afin que le pardon vous soit réservé. Éliminez l'obésité de votre ego, car étroite est la porte par laquelle il vous faut passer. Si nous ne prenons pas en considération ces qualités et ces distinctions, cela voudrait dire que nous sommes en train de tromper le monde. Si nous-mêmes nous ne sommes pas en train de traduire ces préceptes dans la pratique, quel droit avons-nous à inviter les autres vers ces enseignements? Ainsi, il est plus que nécessaire pour nous de nous réformer. Nous devons être des exemples pour les autres, afin que les autres comprennent que nous avons pu maîtriser nos sentiments et nos émotions. Voilà ce que j'avais dit lors de l'ouverture de la mosquée d'Irlande. J'ai dit que lorsque nous allons prononcer notre message, les autres vont vous dire que vous dites à propos des autres musulmans qui n'ont pas accepté le Messie, c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas de direction. Vous, vous avez accepté le Messie promis. Quel changement avez-vous apporté en vous? Quelle révolution avez-vous apporté en vos âmes? Ainsi, nos exemples doivent être en accord à nos enseignements. Les suivants des autres religions ne commettent pas tous des actes qui sont indignes. L'on doit se demander si tous les chrétiens, si tous les hindous, ou si les suivants des autres religions ou ceux qui n'ont pas de religion, passent tout leur temps à se quereller. Non, certainement non. Il y a nombre de ces personnes qui aiment la paix et la réconciliation ainsi que la justice. S'il y a aussi parmi nous ceux qui aiment la réconciliation, ceux qui aiment la paix et ceux qui se querellent ou ceux qui commettent des actes indignes, eh bien, quelle sera la différence entre nous et les autres?
Il y aura une distinction entre nous et les autres lorsque nous allons mettre en pratique ces enseignements et lorsque l'on va faire disparaître cette habitude à se quereller, ou qu'il y aura si peu de querelles parmi nous que personne n'en fera le constat. Et s'il y a quelques fauteurs de troubles parmi nous, eh bien, nous devons ressentir de la répugnance à leur égard. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a préconisé des méthodes afin de mettre fin au mal. Il a déclaré que si vous voyez quelque chose de mal et que vous avez la capacité de l'enlever, vous devez le faire par la main. Si vous ne pouvez le faire par la main, vous devez le faire par la langue. Si vous ne pouvez pas le faire par ces deux moyens, eh bien vous devez ressentir de la répugnance pour ce mal. Ainsi, dans la société Ahmadi, si l'on voit des mauvaises actions, eh bien, l'on doit retenir cela par la main, on doit ressentir de la répugnance à cet égard. L'on doit tout d'abord essayer d'enlever ce mal par la main, l'on doit essayer de le faire par la langue si on le peut faire par la main, ou l'on doit ressentir de la répugnance à cet égard. Et quand tout le monde va ressentir cette répugnance, eh bien, la norme de la moralité ne va pas baisser en raison de quelques exceptions. Au contraire, tout le monde va faire de son mieux pour rehausser sa norme. Ainsi, nous ne devons point soutenir une personne injuste. Si nous suivons la méthode préconisée par Dieu et par son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si nous suivons cette méthode sur laquelle le Messie premier l'Islam a mis beaucoup d'emphase, eh bien, nous allons devoir avoir recours au pardon, à l'indulgence et à l'amour, à l'affection. Si l'on a vu quelqu'un commettre une injustice à l'encontre d'un autre, on doit se dire qu'il a commis cette injustice contre soi-même. Au contraire, il s'est attaqué au Messie promis alayhi salam, parce qu'il a méprisé la tâche pour laquelle le Messie promis alayhi salam a été envoyé. Ainsi, il nous incombe à nous d'arrêter pareil assaillant. Si nous ne pouvons le faire par la main, nous devons le faire par la langue. Ou tout au moins, on doit ressentir de la répugnance à cet égard. Et on doit prier pour celui qui a été lésé, pour qu'il soit à l'abri de celui qui est injuste. Ainsi, si nous condamnons ces actes infâmes, si notre société condamne ces actes infâmes, eh bien, toutes ces injustices, toutes ces infamies vont disparaître. Mais nous constatons que dans certains cas, les parents, les frères et les sœurs soutiennent celui qui est injuste, surtout lorsqu'il est question de disputes familiales. Et d'autres le font aussi par amitié. D'autres personnes le font au nom de l'amitié, au lieu de ramener à la raison celui qui est coupable. Ainsi, afin d'apporter la réforme, on doit comprendre qu'une attaque sur une personne innocente est en fait une attaque sur le Messie promis alayhi salam. Si nous allons penser en ces termes, nous allons voir comment nous allons réformer notre société. Et grâce à notre comportement, nous allons pouvoir atteindre le but pour lequel le Messie promis alayhi salam a été envoyé. Qu'Allah fasse que nous puissions, tout en rendant culte à Dieu, adopter ses hautes valeurs et ses excellences et que nous puissions nous y accrocher, au lieu de nous empêtrer dans ces disputes, dans ces querelles, pour nuire ainsi à l'honneur du Messie premier alayhi salam. Qu'Allah nous protège de tout comportement égocentrique. Aujourd'hui, après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Mokarama Asiya Begum Sahiba, épouse de Chaudhry Mohammed Abdurrahman Marhoum, Dinner Park du Royaume-Uni. Elle est décédée le 3 octobre dernier à l'âge de 69 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la petite-fille d'un compagnon du Messie premier l'Islam, Hadrat Ahmad Yar. C'était une dame respectueuse de la prière. Elle faisait de l'aumône. C'était une dame très pieuse. Elle était régulière dans ses contributions financières. En 1978, les ennemis de l'Ahmadiyya ont intenté un faux procès contre son mari. Au cours de cette période, elle a fait preuve d'une grande bravoure et d'une grande patience. Elle était moussie par la grâce de Dieu
et elle avait déjà contribué tout ce qu'elle devait dans sa Hissa Jaidad. Elle laisse derrière elle 5 filles et 2 fils. Un de ses fils est Ishtiaq Ahmad, il est missionnaire au Pakistan, et son 2e fils est Ijazur Rahman, il travaille dans le département de la sécurité. Elle était la tante de Abdul Qaddous Shahid. Qu'Allah exalte le statut de la défunte et que lui accorde son pardon, et qu'Allah fasse que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. Je vais diriger sa prière funéraire à l'extérieur après la prière de Jumma. Vous devez prier à l'intérieur de la mosquée. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر